Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Earthworld. Alors je vous le dis d'avance, je suis complètement dépité. Mais quand je vous dis dépité, c'est dépité de chez dépité. Je sais pas si vous voyez le truc, mais là j'ai la boussole dans les mains et j'ai plus aucun totem autour de moi. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé bien gentiment. Donc en fait ça s'est passé pendant que j'étais pas là. Ça s'est passé derrière mon dos, et oui. Donc en fait si vous voulez, il y a Cache-Cache et Silogy, donc mes cousins, qu'ils ont joué. Et en fait ils étaient dans notre base bien tranquillement dans le Mirador. Et ils voyaient des gars voler et passer à travers les murs comme ça, tranquillement, tels des Superman ou des Iron Man, vous les appellerez comme vous voulez, moi j'appelle ça des hackers. Après il y a deux possibilités, c'est soit des hackers, mais si on s'en tient au patch anti-hack qui a été sorti, bah dans ce cas là, s'il est soi-disant fonctionnel, devrait pas y avoir de hackers. Ou alors deuxième possibilité, c'est des administrateurs qui ont voulu nous faire chier, et si c'est le cas, c'est totalement de la merde, vous voyez ce que je veux dire. Donc bah du coup, redémarrage à zéro complet. Bon, encore heureux, je garde quand même ma M16, mon petit arc de chasse, ma pioche, ma hache. Je suis quand même pas mal habillé. Mais voilà, c'est vraiment reparti à zéro. Je suis dégoûté. Parce que Cache-Cache, il me disait en fait, les gars, ils volaient tranquillement, ils passaient à travers les murs et ils vidaient les armoires. Et ils s'en allaient comme ça. Ça s'est passé sous ses yeux, tranquillement. Donc voilà, bah, plus de base, plus rien. On se retrouve sans abri, on va dire. Donc encore heureux qu'on ait un minimum habillé, j'ai envie de dire. Tiens, on va se faire la chèvre là. Voilà, tiens, ça fera à manger ça. Donc voilà, dégoûté, tout ça pour vous dire complètement dégoûté. Mais on va se refaire. Et d'ailleurs prochainement je compte organiser un grand event. Un grand événement. Ça va être un truc de malade. Ce qu'on va faire, c'est que vous et moi, si cela vous dit de vous joindre à moi, c'est que je vais choisir un jour dans la semaine. Ça va se passer soit dans la semaine, soit le week-end. Je pense plus le week-end, comme ça vous pourrez être plus nombreux à me rejoindre. Oui je sais, t'as fait un putain, par contre les retours en arrière c'est chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir un serveur dans la semaine ou dans le week-end. De préférence, je vais choisir un serveur où il n'y a personne. Donc zéro ou peut-être une ou deux personnes maximum. Comme ça, au dernier moment, je posterai le serveur sur Facebook. Et là, vous pourrez tous me rejoindre. Donc bien sûr, pour ça, il faudra vous rendre sur ma page Facebook. C'est pas compliqué, le lien est dans la description. Vous mettez un petit like au passage et puis vous avez la notification. Donc voilà, l'événement s'appellera Tous Ensemble. Vous avez déjà vu Marc-Emmanuel, celui qui retape des baraques pour les familles. Et ben, ce sera pareil, sauf que la famille, ce sera nous. On va faire une baraque de dingue, mais un truc de malade mental, je vous préviens. Ça va être le record du monde de la plus grande base de Earthworld jamais vue. C'est de l'inédit, de l'exclu. Donc je vous dis pour l'event, rendez-vous sur la page Facebook et regardez bien les notifications parce que le nom du serveur viendra au dernier moment. Bon, je dis ça, ça se trouve, vous serez deux bédouins à rejoindre le serveur. Oh putain! Je me casse! Ah ouais, tu veux te la jouer comme ça, Coco? Tu veux te la jouer comme ça? Vas-y, viens. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est toi qui me tire dessus. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Alors, il a cru que j'étais pas armé, lui. Il est taré, il a cru que j'étais pas armé. Par contre, j'ai plus de munitions. Ouais, ça c'est con. Donc voilà. Putain, il m'en fait perdre mes mots, ce taré là-bas, là. Il m'en fait perdre mes mots. Je sais plus ce que je voulais vous dire, les gars. J'étais en train de parler de l'événement, oui. Donc, du coup, ce sera sur la page Facebook, hein, le nom du serveur. Et je disais que je le dirai au dernier moment, histoire que ça me laisse au moins une place. Mais je dis ça, ça se trouve, vous serez deux bédouins à rejoindre le serveur. Et ce qu'on va faire, on va faire ça un jour précis et une heure précise. On va tous se rejoindre sous l'arche. Bon, faut que je la trouve, l'arche. Vous voyez, au point de spawn, en fait. Au point de spawn, il y a une arche. Une espèce d'arche, c'est un truc gondolé, là. Et on va tous se rejoindre là-dessous. Et on fera l'événement tous ensemble. Donc comme je vous disais, ça va être une base de malade mental. Ça va être un truc de ouf. Le château de Versailles à côté, c'est la petite maison dans la prairie. Ça va être un truc de malade. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre. Pas la peine de m'avoir en ami sur Steam ou quoi que ce soit. Tout le monde peut jouer. Suffira juste de vous rendre sur la page Facebook et de checker les notifications de la page. Ce sera dans la semaine ou ce week-end. Donc aussi, comme vous aurez pu le voir, il y a une nouvelle série qui a apparu sur la chaîne, Creativerse. Donc bien sûr... Il était pas là, lui, le gars, de tout à l'heure, là, qui me shootait. Salopard, va. Oui, donc, bien sûr, ce n'est pas parce que j'ai démarré une nouvelle série sur un nouveau jeu que j'abandonne Earthworld. Pas du tout. C'est juste une nouvelle série qui vient en plus de Earthworld. Tout simplement. Et donc, du coup, je pense que ça va se faire un jour sur deux. Un jour, ce sera Creativerse, un autre jour, ce sera Earthworld, et vice-versa, voyez. Par exemple, peut-être ce soir, c'est Earthworld, demain, c'est Creativerse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au passage, pour délirer, j'avais lancé le record du monde de likes sur la vidéo de Creativerse. Et bien ça fait super plaisir de voir que tout le monde joue le jeu.
merci à vous tous. Et donc si on pouvait faire pareil pour la vidéo de Earthworld, péter le record du monde de likes, ce serait magnifique. On va appeler ça le record du monde de likes pour l'event qui va venir. Si vous êtes nombreux à vouloir voir cet événement, eh bien lâchez un petit like sur la vidéo, ça fera très plaisir. Et moi je vous le dis d'avance, ça va être un truc de grand malade. Un truc de malade mental. Je vous le dis direct. Tiens, on va prendre de la ferraille. Je m'en fous, de toute façon. Ah ouais, il a voulu avoir des hackers. De toute façon, que ce soit des hackers, des administrateurs qu'on voulait me faire chier, je m'en fous. On va se refaire. Et ça, je vous le dis. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader là, bien gentiment, tranquillement. Et on va essayer de trouver un survivant pour jouer avec nous. Ah bah, viens, moi, si l'autre gens en a une. Vas-y, j'arrive. Moi, j'ai pioche vert. Donc, du coup, je suis sous l'arche là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vers le point de spawn. La fameuse arche. Quelle arche? Eh ben l'arche là, celle qui... Il y en a qu'une, une arche. Voilà. Non, il y en a... Il y a quel biome en fait? Le biome... Le point de spawn. Ok, je sais où c'est. Le point de spawn. Arrive, te cherche. Ah, vas-y, vas-y. Je connais toute la map maintenant, pratiquement. Ouais, putain, je suis dégoûté par contre, j'ai plus la base et tout. T'as refait une base avec Xylogy? Ouais. Yes. C'est cool ça. Il me manque 50 perles, je vais me faire un fusil. Ok, moi j'ai déjà le fusil, j'ai juste pas de munitions. Eh, hey, Sofiane, je crois que je vais organiser un grand événement sur Earthworld. C'est quoi bébé? Tu connais l'émission Tous Ensemble? Ouais. Ça te dit quelque chose? Ouais, bah oui, c'est genre, il y a plein de bénévoles, ils aident des gens. Voilà, c'est tout à fait ça. Eh bien, disons que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter plein de bénévoles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va tous se rejoindre sous l'arche. Donc, sous l'arche où je suis, en fait, si tu veux. Et du coup, on va construire une base de malades mentales. Tu vois ce que je veux dire, Sofiane? Ouais, je vais faire toute la... Voilà, main. Mais je te parle pas d'une base, une base! Je te parle pas d'un château fort, un château fort. Je te parle d'un truc de malade mental. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle d'un truc que t'auras jamais vu dans toute l'histoire d'Earthworld. Tu vois? C'est qu'on va peut-être même bien passer dans le Guinness des records. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Je veux qu'à côté, le château de Versailles, ce soit la petite maison dans la prairie, tu vois? Que chaud, moi. Voilà. Si j'organise ça, ce sera pas un événement PVP. Ce sera un événement tous ensemble. Ouais, ce que je vais faire, attends, c'est que je vais me diriger là-bas. Je vais aller chercher 2-3 ressources là et je vais faire un feu en t'attendant. Ah vas-y, vas-y. Parce que là ça commence à être chaud. Putain, par contre, il y a des retours en arrière sur le serveur. Ah, quand il y avait 30 personnes, ouais, c'est vrai ça. Donc à ton avis, c'est quoi le délire que notre base a été pillée là, que les gars passent à travers les murs? C'est des admins ou c'est des hackers, c'est selon des... toi? C'est des admins parce qu'il y a la mise à jour, c'est pour tous les serveurs, c'est obligé que ce soit des admins. Des admins. Ouais, c'est obligé, ils ont dû vouloir s'amuser. Ils ont vu. Voilà l'amusement. C'est, si c'est ça, on bouge de serveur. Hein. Ouais, c'est comme ça, Nathan. On peut rien y faire, il y a des gens ils sont comme ça, d'un coup ils. Ils ont un câble qui pète et. Enfin, voilà l'amusement quoi, tu sais, t'arrives, t'es administrateur, tu passes à travers les murs, c'est bon, tu te stuff chez tout le monde, tu prends tes fusils, tes doudounes rouges et tout, et tu fais quoi une fois que t'as tout ça? Une fois que t'as fini le jeu, tu fais quoi? Ah bah t'as plus rien à faire mon vieux, tu te fais chier, tu revends ton jeu et puis voilà, tu pleures. Donc du coup, tu vois, j'ai ma boussole, mais j'ai même plus de totem. J'ai plus de base. C'est mort. Putain, par contre, le personnage, il fait des putains de moonwalk que des fois, il repart en arrière. C'est un truc de malade. Ah ouais, c'est trop ça, quoi. Michael Jackson. Attends, je vais créer un monde de merde. Oh, monde. Merde, je suis en train de crever de faim. Merde, c'est le serveur officiel. Allez, vas-y, viens là. Ah non, j'ai loupé la biche. Viens ici. Putain, je vais crever, Sofiane. Non. Si, je vais crever. Y'a pas une biche là? Non, je baisse ma sensibilité là. Petite biquette. Putain, y'a même pas une biche, Sofiane. Je vais crever. Putain. Oh, y'en a une qui arrive, je me la fais au vol. Oh, je l'ai pas eu. Oui, yes, je l'ai eu. Je vais directement faire un feu. Tac, feu de camp. Tac, allez, c'est parti. Putain, je vais crever, Sofiane. Adieu, je vais bébé. Crever. Pourquoi la température de mon feu, elle est à seulement 8 degrés? Tu peux m'expliquer? Ah non, ça y est, ça monte 258. GG.
T'es mort là? Bah ouais, je suis mort. Moi et Stylogé, on a fait un avantage, on a fait notre maison devant le spawn. Devant le spawn? Bah vas-y, bah ça tombe bien, j'y suis devant le spawn. Ah bah c'est peut-être celle-là. Tu vas toujours à droite et après genre dans les collines, genre il y a une sorte de maison. Et c'est peut-être celle-là. Bon, est-ce que vous avez fait un genre de balcon? Non. Un petit balcon, non? Ouais, je crois en fait. Comment c'est en fait? Comment elle est la maison? Elle est très moche. Cochon. Voilà. Bah, tu me demandes comment c'est. Non, mais disons qu'elle est en longueur. Il y a une porte contre le mur et il y a deux portes. Il y a une porte en bas et une porte en haut, à un étage. Ah non. Non, c'est pas celle-là. On a qu'une porte. Non. Ok, d'accord, c'est pas celle-là. Pas toujours à droite, Nathan. Ouais, mais en fait, toujours à droite, ça dépend où tu spawns, quoi. Moi, je veux bien aller sur la droite, là, mais... Ouais, mais la droite, c'est le désert, la gauche, c'est la neige. Donc va à droite, nous, on est vers le désert. Je suis pas sûr. T'inquiète pas, je connais ça va. Et devant, il y avait votre ancienne base. Devant, c'est le biome normal. À droite, c'est le biome désert. À gauche, c'est la neige. Et mais le pire, c'est qu'on s'est même. Cache-cache, il s'est même fait péter sa petite base secrète, je crois bien, tu vois. Ma maison, elle est ouverte. Ah ouais, je sais. Bah, au contraire, ils ont payé là-bas, hein, les admins. C'est dégueulasse, quoi. Putain, mais pourquoi qu'il fait des moonwalk, le bonhomme, là? Sérieux, c'est chiant. Ouais, bah. Tu t'es pris pour Michael Jackson, mon bonhomme. T'es où, là? Attends, j'arrive te chercher. Je me fais un petit fusil à pompe. Moi, je vais vers la droite, hein, comme tu m'as dit. Est-ce que t'as de l'ambre sur toi, Nathan? J'ai rien, je viens de commencer. Putain, il me faut 10 ambres. Tu sais, pour faire quoi? Pour faire une perceuse. Ah ouais? Ouais. Attends, je range mon fer, parce que imagine-toi, je me fais buter, là. J'ai pas envie de faire 100 pierres, du minerai bleu et tout, là. Ah ouais, vous êtes mis bien, vous. Bah en fait, c'est moi qui ai crafté tout ça. Putain, et franchement, le serveur... Il pue. Il a des putains de retours en arrière. Je te dis, attends. Le bonhomme, il est tout le temps en train de faire un moonwalk, quoi. Ça dépend d'où t'es. Oh! Salut! Salut, ça va? Tranquille. Attends, mais salut. Tu le. Ouais, ça va? Sors la hache en or. Tu fais quoi de beau? Bah, je commence à farm. Ouais, tu commences à farm. Tu commences à jouer, là? Tu commences le jeu ou pas? Ouais, j'ai commencé hier sur l'autre serveur. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Bon, bah, vas-y, à plus tard, alors. Bonjour. Ouais, toi aussi. Ah, il commence le jeu. Il m'aurait dit non, ça fait plus longtemps qu'il joue, mais il recommence juste la partie. J'y aurais mis un coup de hache dans la tête. Cochon. Non, non, il commence, c'est juste le jeu, c'est bon. Je sais ce que c'est de commencer le jeu. Ouais, bah c'est ça pour va. Ça en fait, quand j'ai vu le noob, je lui ai fait direct, je lui ai fait. Parce que je veux dire, en fait, moi aussi, je sens ce que tu ressens. Ouais, voilà, je sais par où il est passé, quoi. Voilà, je comprends. T'as toujours une petite larme quand tu vois un petit. Oh, c'est qui ça là-bas, lui là? C'est qui? Avec une larme, avec une pioche verte? Non, non, y'a un gars, il est à poil là-bas là. Moi je suis pas tenu, j'ai. Je vais y aller. J'ai l'arc de chasse. J'allais faire l'arc de punition. Salut à toi, jeune guerrier. Identifie-toi. Vas-y, c'est bon, je veux pas y courir après. Quoique. Est-ce que là t'es au bord? Attends, il va aller au bord. Ouais, et mais lui, il vient de commencer, il a rien sur lui, il a rien. Il a que dalle. Il vient de commencer. Ah bah je te dis, hein, moi j'ai fait comme tu m'as dit, je vais tout le temps à droite, tout le temps à droite, tu vois. Ah mais là, est-ce que t'es au bord de la map? Ah ouais, je suis au bord de la map là, ouais, carrément. Ah, tu vas à droite. Est-ce que là t'es au désert? Quoi? Est-ce que tu vois le désert? Un désert blanc. Ouais, si on peut appeler ça comme ça. Attends, qu'est-ce qu'il veut lui? Yo, salut! Ça va tranquille? Là, il a de la chance, il a un arc. T'as de la chance toi. J'aurais eu ma M16 là, j'aurais eu des balles. Ah mais t'as plus ta M16? Si, je l'ai mais j'ai pas de balles. Merde. Putain mais c'est chiant les moonwalk, ouais, là, sérieux là. T'as vu? Et ça, dis-toi, quand tu fais un moonwalk, c'est tout le monde fait son moonwalk en même temps. Ouais, y'a pas d'exception. Hein. Tout le monde fait son moonwalk en même temps. C'est carrément une chorégraphie le machin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comment que t'appelles ça? Un flash mob. Ah ouais. Bah j'ai un ombre. Vas-y, viens là toi. mais comment tu il veux pas te battre, Brandad? Y'a jamais de frites. Tu veux te battre ou quoi?
Qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a trop de lag là, donc. Ouais, il y a trop de lag, ouais, ouais. Tu t'en tires bien, Brandad. Tu t'en tires bien, Brandad, hein. Il y a trop de lag, hein. Ça passe pour cette fois. Non, c'est Berendao. Allez, va. Ça passe pour cette fois, c'est bon. Je vais laisser Brandad de côté. La prochaine fois, ça se passera pas comme ça. Moi, je te le dis direct. Tu viens de reculer. Bah ouais, mais t'inquiète, moi aussi je viens de reculer. Mais dis-toi, quand tu recules, moi je recule aussi. Quand tu recules, tout le monde recule. Putain. Voilà, là tu viens de reculer par exemple à l'instant, tu vois. Ah, un petit coup là. Un petit coup, un tout petit coup, ouais, ouais. T'as une pioche. Ah, c'est toi ça? Sûrement. Coucou. Salut. Quoi? T'es où? Ah, c'est Brandon. C'est Brandon? Ouais, ouais, je viens de le rencontrer. Ah bah vas-y, bah j'étais à côté de Brandon. Bouche. J'étais à côté de Brandon alors. Bah pas vers sa direction. Ouais ouais ouais. Putain, oh, t'as reculé toi aussi? Ouais ouais. Ouais ouais. Putain quoi, je te vois. Normal. Recule tout. Oh putain cochon, j'ai failli me péter les jambes. Ouais. Truc de fou. Merde, j'aurais dû suivre Brandon, putain. C'est ouais. Pas Brandon, c'est Branda qui s'appelle. Hein. Branda, voilà. Il a direct sorti son arc dès qu'il m'a vu. Ouais, vas-y, je te vois, c'est toi qui est à côté d'un arbre. Bah oui. Saute, saute, saute là. Yes, ok, c'est toi, c'est bon. Victime. Arrête de parler dans le jeu, t'as vu, ça casse les oreilles. Ah oh merde, j'avais pas remarqué. Espèce de victime. Attends, attends. Eh. Bouge pas victime, je te préviens, bouge pas victime. Arrête. Arrête. Arrête, si on se bute, on va plus se retrouver. Vas-y, monte-moi ta base, vas-y. Tu me donnes un coup. Arrête, non, t'inquiète, je donne pas de coup, vas-y, attends. Attends-moi par contre, vas-y. Avance victime. Avance victime. Arrête, arrête, tu vas me buter Sofiane avec ton arc, arrête. Arrête. Victime. Arrête. Ah bah en plus ça attaque le patron. Arrête, arrête. Non non, vas-y, monte-moi ta base. Arrête, tu vas me buter Sofiane, arrête, arrête. Allez. Vas-y, viens, on va victimiser des joueurs, viens. Merde, il y a des putains de retours en arrière, il y a des moonwalk. Ouais ouais. Tu montes ta base, vas-y, avance. La vie s'en met, allez, avance victime. Allez, elle est où ta base? 800 mètres. Oh, regarde, tu vois genre devant. Tu vois le truc là-bas, regarde bien. Ouais, je le vois, ouais, ouais. Eh, hey, vas-y, là, arrête. Eh, hey, je vais te niquer, toi. Vas-y. Viens ici, salopard. Me tire. Victime. Victime. Allez, tiens. Arrête, tu m'as tué, putain, t'es con. Et maintenant, comment que je fais pour te retrouver, maintenant? Tu voilà. Toujours vers la droite. Ouais, toujours vers la droite, ouais. C'est ça, ouais. Je t'avais dit, un coup de lance, mon vieux, ça fait mal, hein. Ouais, ouais, en fait, quand tu donnes un vieux coup comme ça, en fait, la lance est rapide, c'est ça qui vient. C'est toi, ça, là-bas? Ah saute, ouais, vas-y. Saute. Saute, toi. Ah, t'as sauté en même temps. Vas-y, monte-moi ta base. Attends, je prends là. Du bois. Non, c'est à moi. Espèce de victime, bah allez, monte-moi ta base, là. D'accord, allez, vas-y, monte-moi ta base. Vas-y, allez, avance là. Avance, victime. Alors... Arrête, la pioche joueur, t'as fait mal. Arrête, tu m'as mis un coup. Putain. Y'a jamais d'admin, mais ils sont venus qu'une fois, ils ont foutu la merde. Ouais, bah si ça se trouve, je sais pas si c'est les admins ou si c'est des hackers, tu vois. Non, les hackers, ils ont enlevé, c'est impossible que ce soit. Ouais, mais ça se trouve, tu sais, y'en a toujours d'autres pour hacker le jeu, hein, tu vois. Enfin voilà, moi je dis, y'a aucun intérêt de hacker des jeux comme ça, y'a aucun intérêt quoi. Ouais, j'avoue. Et si t'es admin, mais c'est pareil, t'as aucun intérêt de rentrer dans les barraques des autres et de foutre la merde. T'as aucun intérêt quoi. Allez, vas-y, avance, victime là. Eh, pas dans la tête, cours, les victime, flèches. Cours, pas cours, dans la tête. Cours. Arrête. Vas-y, tu attends. Tout droit. Je prends le bois. Allez, tu bouges même en prenant du bois. Arrête, pas dans la tête, Sofiane, tu vas me tuer. Cours, allez. Je vais pouvoir courir. Laisse-moi au moins aller au totem là. Putain.
Regarde notre base, t'as vu, elle est belle, hein. Ouais, ouais, je la vois. 13 minutes d'infâme. Bah ouais, forcément. Oh, j'ai tué une victime. Eh, t'as 13 minutes d'infâme. Cochon, moi. Ça veut dire que si je te tue, je récupère ton arc ou quelque chose. Cochon, moi. Eh, mets-moi pas un coup de lance, je te préviens. Vas-y, allez, c'est parti. C'est une lance normale, hein. Imagine-toi, je serais pas... Ah, yes, vous avez fait des fenêtres et tout, des petits miradors, tranquille. Ouais, c'est vite fait, quoi. Putain, c'est chiant les retours en arrière là, sérieux, sur le serveur. Ah, ma porte elle est fermée, j'espère. Non, c'est là, Jolette, non. Nous, c'est. Tu dois faire 70 mètres pour retourner. Ouais, on a une petite base, justement. Allez, rentrer, monsieur. Voilà. Elle est pas assez sécurisée, votre base. Franchement, en vrai, niveau sécurité, ouais, bah, c'est de la merde. Je dis à Mathieu, fais un plafond, il me dit non. Niveau sécurité, c'est de la merde. Moi, je vous le dis direct. Hein. Tu sais quoi? Ta base, si tu veux, pour qu'elle soit sécurisée à mort, faut ouais. Même qu'elle soit toute petite, tu vois? Que tu ranges tes casiers dans un tout petit truc. Mais par contre, faut que t'aies des portes partout et des allées partout. Tu vois? Moi, par exemple, ma base secrète dans mon autre serveur que j'avais faite, et bah, si tu veux, elle était grande. Elle était même plus grande que ça, tu vois? Mais par contre, l'endroit où il y avait tous les casiers, c'était tout petit. Tu vois? Avant que j'atteigne l'endroit où il y avait les casiers, fallait que je passe 15 000 portes. Tu vois? Fallait que je passe des allées partout, tu vois ce que ouais, je veux dire? Mais, qu'est-ce qu'il va... mais là, on n'a pas fini, Manhattan, la maison. Bah, tu sais qu'est-ce qu'on va faire, moi et Mathieu? Tout autour, on va recouvrir de bois. T'as pas de quoi crafter un peu de munitions là? Pour aller niquer des gars et aller ramasser du stuff? T'as de la graisse animale et de la ferraille? Il y a du stuff dans l'autre. La graisse animale et quoi? Graisse animale et de la ferraille pour faire des munitions pour la M16. Je vais faire des balles, moi. On va aller partir à la chasse, on va aller niquer du bonhomme histoire de bien se stuffer.